Bonjour à tous. Merci d'être avec nous dans ce nouveau numéro de Star Parade. Notre invitée aujourd'hui s'appelle Sia Tolno, chanteuse originaire de la Guinée-Conakry. Bonjour Sia. Bonjour maestro. Oh, ça fait plaisir quand on t'entend parler le français. Merci. Voilà. Arrête-moi si je me trompe, hein. Sia est née en Guinée, oui. Mais Sia a grandi en Sierra Leone, un pays anglophone. Exact. C'est pourquoi dans ton accent, quand tu nous parles, on sent cet accent anglophone toujours quand tu parles. Mais bon, tu as déjà fait des gros efforts, tu parles français. Ouais. Raconte-nous un peu comment ça s'est passé, parce que je sais que vous avez suivi votre papa qui était enseignant dans le temps. Nous sommes d'origine Gekedou, qui est à la frontière déjà de la Sierra Leone-Libéria et... Voilà. Oui. Donc mon père est né là-bas, oui. Ma mère même est guinéenne, Kindou. Et mon père, sauf qu'après la Sierra Leone l'intéressait beaucoup. On a beaucoup de parents en Sierra Leone déjà. Mm-hmm. Et donc mon père est prof de français en Sierra Leone, là où j'ai grandi aussi. Et j'ai étudié aussi en anglais. Donc on venait juste pour les vacances en Guinée. Mm-hmm. Donc mon père nous déposait en Guinée. Après les vacances, il venait nous récupérer. Donc pendant la guerre, on était obligés de venir rester en Guinée. Donc c'est à cause de la guerre, nous sommes définitivement venus en Guinée avec mes frères et mes cousins aussi qui ont étudié en Sierra Leone, mais qui sont nés en Guinée. Attention, découverte des réussites, c'est bien au nom de la Guinée. Oui, exact. Voilà. Tout ce que je fais, c'est au nom de la Guinée. J'adore mon pays, c'est mon idole. Très bien. Les Guinéens seront très honorés aujourd'hui. Ouais. Sia, nous allons continuer cette conversation après. Mmh. Juste le temps de voir ton clip Wacha. Oujouacha. Oujouacha. Ouais. Les gens se disent Oujouacha. Qu'est-ce qu'elle dit, cette Guinéenne, dans Oujouacha? Qu'est-ce que tu dis là-dedans? Ouvrez les yeux, vous, nous les Africains. Nous devons ouvrir les yeux aujourd'hui et se concentrer sur l'essentiel. Parce que l'Afrique a beau été comme... On dit toujours l'Afrique est mauvaise, l'Afrique c'est comme ça. Mais quand tu vois bien, nous sommes très riches, on a tout. Mais pourquoi on ne réussit pas? Donc ouvrez les yeux et apprendre de nos passés pour pouvoir construire notre avenir. Très beau titre. Alors, on va proposer le clip aux téléspectateurs. Oujouacha, que voici pour vous. Nous allons parler rapidement de ton évolution, parce que tu viens de faire un autre album, Hors Luz Africa, parce que nous allons montrer le clip aux téléspectateurs. Oui. Qu'est-ce que tu peux nous en dire? Et nous parler aussi de tes projets immédiats à venir. Voilà. Oui, oui.
Là, je suis concentrée, bien sûr, sur l'album qui doit sortir, qui s'appelle This Train. Parce que maintenant, je vis un peu ici en France et je vois un peu par rapport au SDF et tous les gens qui sont comme nous, qui sont des immigrants, qui n'ont pas vraiment de possibilités comme chez nous en Afrique. Oui. Bon, nous pensons qu'en en Europe, ça ira mieux. Oui. Donc, quand tu vois qu'il fait froid, que je vois mes frères et sœurs dehors, qu'on n'a pas où dormir et tout, ça me touche énormément. C'est vrai que c'est un peu un style un peu différent par rapport à ce que je faisais avec Los Africains. Oui. Et travailler avec Nicolas Guéret aussi, qui a un studio. Oui. Et voilà, vous allez voir le clip tout de suite. Bien sûr. Et aussi, je suis concentrée sur ma boîte qui s'appelle Kingsland Productions et qui va produire, bien sûr, mon retour à la source. Oui. Là, je repars en Guinée. Oui. Et je ne suis pas concentrée sur Conakry. Je pars dans la forêt. Dans la forêt. Parce qu'il y a 15 années. Vous êtes forestier là, non? Oui. C'est là-bas. Oui, non, je vois, tu n'as pas besoin de montrer, je sais, ça se lit, ça se voit sur le visage, c'est la Guinée forestière. Exact. Voilà. Donc je repars là-bas, parce que ça fait 15 années que je ne suis pas allé, je n'ai pas joué, et donc ils ne m'ont pas vu il y a 15 années. Oui. Donc cette fois-ci, mon objectif, le plus attente, c'est reparti chez nous, dans la forêt, et faire un grand concert, tout en chantant avec d'autres artistes sur place. Oui. Et apprendre aussi d'autres choses que j'ai oubliées depuis longtemps, pendant longtemps. Et voilà. Nous allons voir ton nouveau clip, hein, la nouvelle chanson. C'est comme on chante a cappella comme ça, juste un peu pour moi a cappella. C'est une reprise d'ailleurs. Une reprise. Oui, comme c'est celle qu'on a pu faire en clip. Oui. I was five and he was six. We rode on horses made of sticks. He was black and I was white. He will always win the fight. Bang bang, he shut me down. Bang bang, I hit the ground. Bang bang. Bon, ça suffit. Le reste, là, la suite, on verra ça avec le clip. D'accord. Regardons tout de suite le clip. C'est parti pour vous, chers téléspectateurs. Voilà, nous sommes toujours avec notre invité du jour, Sia Tolno. Merci d'être venu sur ce plateau, le plateau de Star Parade. C'est le plateau des artistes. Chaque artiste qui sort un nouvel album, vous venez, c'est sur TV5 Monde. C'est pour le monde entier. Alors, quel est le dernier mot? Ben, nous devons
c'est nous concentrer sur l'essentiel, parce que moi, mes messages sont toujours africains. Je suis concentré sur nos problèmes africains. Parce que nous, si nous ne voyons pas que nous avons un problème, les autres ne verront pas. Exactement. Donc, souvent, c'est, donc je suis du cœur avec toutes les Africaines, je suis du cœur avec nos familles, et puis voilà, nous allons, c'est un combat, le combat continue. Il continue. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Oui. Ben, on va se quitter. En musique, juste, je vais te jouer le piano, quelques petites notes. Avec puis, plaisir. On se dit au revoir, tout ça. Que d'accord ça, oui, d'accord. Voilà. Ok. Oh, yeah, non, non, non. Sunrise in the morning when I come for you. Moonlight in the night when the love is so good. C'est donc la vie. Oh, la vie, la vie, la vie, la vie. C'est donc la vie. Oh non, la vie est merveilleuse. Notre deuxième invité, okay, c'est un chanteur originaire du Burkina Faso. Merci. Okay. Merci, et maestro. Bonne chance à toi. D'accord. Au revoir. Au revoir. Je t'aime.